La liberté, moi, c'est un bongo. Il y a masse dans la liberté. Moi, c'est un bongo. Moi, c'est un pâte belé. Bon, on a toujours la liberté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonyansoto. C'est ce qui est en train de sillonner sur l'internet. Parce qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, même en France, même au niveau du Canada, partout dans le monde, on parle que de lui. C'est pour cela qu'il s'est levé pour demander pardon dans nos églises. Il passe dans chaque église pour demander pardon à ceux qui l'avaient fait. C'est pour cela que Christ avait dit, qui n'a pas fait le péché, qui n'a pas fait le péché, qui l'a pris cet temps. C'est pour cela lui aussi. Je ne sais pas l'église, il va passer, il passe dans chaque église. Aujourd'hui il est dans notre église, demain il va passer dans une autre église pour demander pardon. Il veut que l'assemblée de Dieu, le chrétien, puisse nous pardonner. Il veut que le chrétien puisse prier pour lui. Il n'est pas Dieu, c'est un homme. Sincèrement devant Dieu, devant les hommes, il s'est venu pour demander pardon à l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais que l'Église MCM puisse pardonner l'homme de Dieu. Écoutons l'homme de Dieu. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce matin. Je suis vraiment touché dans mon cœur par rapport à ce qui se passe. Vous savez, ce n'est pas facile quand quelqu'un commet des péchés, il vient devant l'Église, l'Assemblée pour qui pardon. Parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, Dieu permet qu'on puisse arriver quelque part pour réparer. Pour changer la direction. Tout ce que nous faisons, même si nous prêchons, la Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu restera. Ça veut dire, nous attendons le jugement de Dieu. Ça veut dire, étant qu'un homme, même malgré que je suis pasteur, je suis âme devant l'Éternel. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, même les pasteurs, ils vont passer, nous allons passer dans le jugement. Alors, malgré tout acte qui est passé, je ne voulais pas, comment dirais-je, me protéger. Ça veut dire que c'était une histoire ancienne qui est revenue de nouveau. Alors, la sœur voulait que je puisse parler avec lui. Comme je l'avais déjà bloqué, elle a insisté que je puisse parler avec lui. Je lui ai dit non, ces choses, je ne fais pas. Si tu veux parler avec moi, parle avec moi des choses de Dieu. Comme elle a résisté, alors je l'ai bloqué. Après avoir bloqué la sœur, elle est allée chercher des messages anciens pour me publier. Donc voilà pourquoi, étant qu'un homme, je suis touché, je sais que j'ai dérangé l'église de Dieu. Alors Dieu n'est pas content de ça. Je peux demander pardon à la maison, mais le cœur des hommes est touché à cause de cela. Aujourd'hui, je viens devant l'église. Pourquoi je viens ici? Parce que le thème que l'Éternel Dieu vous a donné, la puissance de la prière. Je sais à travers la puissance de la prière, à travers la puissance que vous allez prier pour moi, que quelque chose va changer dans ma vie. Amen. Parce que avant que Dieu nous a appelés, avant que Dieu nous appelle, il a dit, je savais, quand tu étais dans le ventre de ta maman, il savait consacrer. Dieu lui-même sait le parcours où nous passons. Ça veut dire, dans ce parcours, nous avons beaucoup de difficultés. Je reconnais que je péchais devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je viens devant vous, l'église de Dieu, pour que vous puissiez prier pour moi. Et je crois, à travers votre prière aussi, le pardon qui va libérer ma vie et je vais servir Dieu. Amen. Mais pour le moment, je prie le temps de ne pas prêcher par rapport à cet acte jusqu'à ce que Dieu va me dire prêcher. Moi, je vais prier, je vais m'agenouiller, je vais prier pour vous. Nous allons prier Dieu, que Dieu lui pardonne. La Bible déclare confessez vos péchés
Je suis fidèle et juste pour vous le pardonner. Aujourd'hui, il a confessé devant l'Église. Je me reconnais aussi l'Église, ainsi que toute personne qui nous suit partout dans le monde entier, puisse pardonner notre frère qui est dans le Seigneur, notre pasteur Pichoubola. Que la faveur de Dieu, que là où il est en train de servir Dieu, que l'onction de Dieu manifeste dans sa vie. Nous allons tenir debout pour prier pour lui. J'aimerais que tu tiennes debout pour prier pour lui. Demande la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu de nous pardonner. Parfois toi aussi tu avais vu la vie de lui. Parfois toi aussi tu avais vu la vie de lui. Le photo qui avait vu. Mais je demande que Dieu t'aide et puisse nous pardonner. Prions notre Dieu ensemble. Priez, nous sommes en train de prier. Père Céleste, montre dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père Céleste, montre dans le ciel. Papa, tu es Dieu, le Prince, la paix. Le roi des rois, le Dieu de tout puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, dans le regard de ton serviteur, c'est qui la paix. Mais demande pardon auprès de Dieu, auprès de toi, pour que tu lui pardonnes. Seigneur, pardonne ton serviteur. Il a commis le péché devant toi. Il a commis des choses qui n'étaient pas dites devant toi. Seigneur, il est venu te demander pardon ce soir, ce matin. Seigneur, pardonne-lui. La Bible déclare, confessez vos péchés. Il est écrit, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, le fidélise, obtiendra la miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, pardonne ton serviteur. Laisse ta grâce. Laisse que ta faveur, donne-lui encore la force, donne-lui encore l'intelligence, donne-lui encore la sagesse. Père de gloire, notre Dieu, la Bible déclare, mon serviteur tombera sept fois il sera relevé. Seigneur, relève-lui encore davantage. Papa, relève-lui encore davantage. Le Dieu de la puissance, Papa, révèle-lui encore davantage. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, tout esprit de monde te lève. Je te prie, tout esprit de monde sorcellerie. Je te prie, tout esprit de monde connaît. Tout ce qui n'est pas de toi, viens de cocher ce bagage. Par le gloire notre nom le ciel. Papa, je leur ai mis l'essence. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce, ta faveur l'accompagne. Donne-lui la paix que le monde ne peut pas lui donner. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La liberté, moi c'est un bon, moi c'est un pâté belé. Bon, on a toujours la liberté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonia Soto.